Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en tout cas une nouvelle série de vidéos. C'est-à-dire que je vais essayer de vous présenter des combos sous différentes formes. Alors là, ce sera principalement sur MS2 parce que c'est sur lequel je tourne actuellement le plus souvent. Mais ça va vous permettre de voir différentes configurations de combos, des circuits que vous n'avez pas l'habitude de rouler, des véhicules non plus. En fait, je vois souvent des gens réclamer du contenu, des updates, des mises à jour, mais en fait, ils n'ont pas encore fait le tour de tout ce qu'il y a déjà offert, entre guillemets, ou disponible sur les différentes simus. Donc, pour ça, j'aime bien faire un petit peu le tour et je vais vous placer dans, comme on dit souvent, l'œil du pilote, vous mettre à la place si je peux en vue casque. En fait, le mieux ce serait que ce soit le maximum immersif et le plus court possible, donc à peu près on va dire 5 tours, maximum 10 minutes. Donc c'est contre l'IA et on va commencer, vous allez voir, par quelque chose d'assez compliqué. Allez, on va aller voir directement dans le jeu. Allez, on est donc parti, on est dans le jeu et vous allez voir tout de suite le combo. Donc c'est la nouvelle Formula Ultimate Gen 2, donc les F1 2022 sur le circuit de Monaco, donc circuit d'Azur comme c'est expliqué. Les conditions de course, donc je vous l'avais dit, 5 tours, le réglage des adversaires, voilà. Donc 20 pilotes, le niveau de l'IA est à 95 et l'agressivité à 10. Je l'ai baissé assez fortement, pourquoi? Parce que à Monaco, je ne vais pas vous expliquer, comme d'autres circuits, il n'y a pas beaucoup de dégagement, si ce n'est pas du tout. Donc il y a beaucoup de carnage. Je vous ai dit, cette série perdurera selon les retours que vous allez me faire. S'il y a pas mal d'intéressement là-dessus, je continuerai. Bien évidemment, s'il n'y a pas beaucoup de monde, ben, je ferai peut-être une deuxième série, mais je passerai mon tour. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, pour cette vidéo-là, sans vous mentir, j'ai quasiment fait 2 heures. Allez, 1 heure et demie de test, de record, parce que à chaque fois je me faisais démonter par l'IA, parce que parfois c'est moi qui se crachais. Enfin bref, vous voyez, je commence pas par le combo le plus simple, mais je vais aussi vous montrer quelque chose d'assez propre et d'assez qualitatif, comme d'habitude, j'allais dire. Donc, je compte sur vous pour avoir vos retours dans les commentaires, par le biais soit des commentaires comme je dis, ou soit par le biais des likes et du partage sur les différents groupes que vous êtes, pour lesquels vous êtes abonné sur Facebook ou même Twitter. Donc voilà, je vous laisse avec cette course de 5 tours, je me répète, et puis eh ben, on se retrouve dans les commentaires. Et moi je vous dis bonne journée, à une prochaine pour une autre vidéo. Tchuss! Par toi. Go, go, go. Sur ta gauche, toujours là, garde, c'est dégagé à gauche. Côté gauche, clair à gauche. Voiture à droite, dégagé à droite. Voiture à droite, dégagée, joli département.
Leclerc vient de faire un 1.14.7. Voiture à gauche. Dégagé sur la gauche. La température de tes freins est extrêmement élevée. À droite, c'est dégagé à droite, sur ta droite, droite, clair. Hamilton. Il est dans le stand. 0.8. The slow into. La race casse. Voiture à droite, c'est dégagé à droite, sur la droite, droite, clair, dernier tour, va chercher le podium, joli dépassement. Bravo.